Eh bien salut tout le monde, ça s'appelle c'est parti pour une nouvelle vidéo, on est en Zobal avec ma petite Zobal en mode terre mêlée et on va jouer contre un Osamodas pour ce premier combat en tout cas. Hop c'est parti, je vais me faire la petite débandade, je sais pas quel élément il joue. Il a 4400 points de vie, ça va peut-être être un Osater, j'ai rushé à mort en vrai. Même s'il me met dans les tapeuses en terre ou quoi, de toute façon faut y aller. Et on va jouer avec la cape légendaire de Rikirel sur Zobal, on va tester du coup un petit peu cet ajout de PB. Il va jouer haut apparemment. C'est peut-être pas mal parce que du coup il va peut-être venir me taper à distance et je vais peut-être proc les PB de la cape. Après s'il me met les poisons par exemple je vais pas proc les PB hein. Alors là 4 PM pour y aller. J'ai peut-être plutôt tué son crapaud, je pense que je tape suffisamment pour pouvoir le tuer. On va essayer voir mais ouais ça devrait aller hein. C'est vrai que je tape pas très fort à distance parce que j'ai un cadran haut, du coup ça me donne un malus de dommages à distance je crois bien. Ouais voilà, moins 12 dommages à distance. Mais en tout cas on lui a tué son crapaud donc là il est obligé de faire remplacement je crois pour en remettre un. Ou alors il veut vraiment me debuff. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah non mais vraiment c'est dragon d'accord, il est peut-être pas full haut alors il est peut-être multi hein, j'en sais rien. Après le dragon c'est pas con hein, ça va me debuff le plastron mais en vrai de toute façon j'allais le perdre à mon tour de jeu je crois. Oui voilà donc c'était pas très utile hein, en soi. En plus il a pas mis dans le bon ordre parce qu'il aura fallu mettre le dragon noir avant. Mais bon, c'est un détail en vrai. Et du coup, ça me proc ma cape. Hein. Ah, par contre, le dragon, il me tacle pas. Oh, parfait. Ok, bah on va go en masque Rox. Et c'est parti, on va taper. Tranquillement, je pense qu'on peut faire une flamiche. Pour débloquer le fameux Dofusivoir. Hop. Furia et coup de corps à corps. Puisqu'on joue en Martorture. Et on le tacle un peu ou pas? Ouais, on le tacle. Ouh, ça fait assez mal, hein, le coup de caca moins 1000 sur les 25%. Ah, dommage, le masque n'ait pas taclé le dragon. Ça aurait pu être sympa que le masque il tacle. Parce que du coup, bah, le dragon, bah, il n'aura pas pu forcément me debuff ou quoi. Et vu que j'ai les bonus un petit peu, 44 dommages, 10% dommages mêlés, ça aurait pu être cool. Mais bon, là, je sais pas quel élément il est, c'est aussi sa menace, mais c'est bizarre là. Il est peut-être haut, hein, il a juste mis ses dragons pour pouvoir faire un favoritisme ou je sais pas quoi. Il a vraiment l'air d'être haut. Hein. On n'a pas des masses de res haut, on a que 17. De toute façon, on n'a pas des grosses res avec ce stuff, puisque vu qu'on joue en item légendaire, bah, ça te fait un item qui donne pas de résistance et du coup, forcément, t'as pas des res de fou. Oh, il a tapé tellement fort avec la rapière au glyphe. Oh là là. 700 alors que les dégâts sont divisés. Putain, en vrai, il a tapé ultra fort. Hein. En vrai, ouais, il a tapé super fort cet Osa. Full haut, à mon avis. Et là, je proc les petits PB à droite à gauche. Il a. J'ai pas même pas relancé mon plastron. Je pense que là, on l'a à notre côté. Faut vraiment qu'on mette la pression. Je vais faire deux Furia à cac. Ou alors. Ouais, je pense que c'est quand même le mieux, deux Furia à cac. C'est dommage, j'ai pas le Dofus Eben sur ce perso là, les gars. Parce que ça aurait fait vraiment plaisir de mettre un Dofus Eben neutre avec le coup de corps à corps, par exemple. C'est la vie. Donc là, il va nous faire un super mal encore. Hein. Il tape vraiment fort. Hein. Le truc, c'est que là, il peut potentiellement crever prochain tour s'il fait pas attention. Donc il va peut-être changer d'avis. Et au lieu de taper fort, il va peut-être essayer de se barrer plutôt. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. La petite Libé. Il va super. Le petit Kinder. En tout cas, ouais, c'est vrai que j'avais pas vu les 20 FX neutres. Du coup, il est bien en rapière. Hein, c'est bien ça. Et ça fait super mal. Ah, il met les deux crapauds. Et du coup, il va se barrer à 4 PM tout droit. Voilà, c'est normal. Le masque va crever, c'est pas très grave, de toute façon on a la relance prochain tour si vraiment il faut. Là je pense que c'est surtout, si je suis gêné, c'est surtout le tour où je vais mettre le plastron. Hein. Parce que là on est clairement taclé. Là on prend les petits PB à distance, donc ça c'est cool. Ou mal placé son crapaud, je vais pouvoir faire pivot. Et ça c'est pas mal le petit pivot en vrai. Après l'appui est cool aussi. Hein. Mais genre dans ce genre de situation, hop t'arrives, tu pivot. Alors là je peux fougue par exemple. Alors, ça va mettre dans l'état insoignable, mais c'est pas grave, c'est pas le tour où j'ai le dos coco les gars, donc c'est vraiment pas grave. Je vais pouvoir mettre Furia, coup de corps à corps. À moins 1000, hein, le coup de corps à corps depuis tout à l'heure il met des moins 1000 alors que j'ai même pas la maîtrise. Hein. Vraiment le Martorture est toujours aussi fort. Après, faut faire des crits, c'est vrai. J'ai pas énormément de crits. En plus, j'ai une chance sur 3, mais ça passe assez régulièrement tout de même. Là, il est pas bien. Hein. L'Osamoda, c'est pas bien. Il va faire un geyser, mais en tout cas, il tape super fort. Hein. Mac, les dégâts qu'il met, il est ultra bourrin. 1200 à la rapière, mais il est ultra chaud. Malheureusement pour lui, ça suffira pas à gagner le combat, mais en tout cas, ouais, un petit Osao, c'est sympa à affronter. Franchement, c'est cool. On va faire le kill tranquillement avec notre petit Zobal. Ça fait plaisir de gagner un Osamodas, parce que c'était quand même assez bien opti. Après, je pense surtout que c'était pas le plus opti de jouer Osao en fait. Genre un Osa Terre, j'aurais plus galéré. Un Osa Air aussi, à mon avis. Osa Air, peut-être pas, mais Osa. Enfin, si je pense en vrai, il aurait pu se barrer et tout. Mais Osao, en tout cas, je trouve pas que ce soit le plus gênant. On va essayer de trouver un combat contre une classe qui joue un peu plus à distance pour vraiment vous montrer la puissance de la cape, même si vous l'avez déjà vu dans les vidéos. Vu qu'on la joue, autant vous la montrer à fond quoi. Allez, à tout de suite pour un prochain combat. Allez, on est parti contre les caflips, je vais directement le taper. Désolé, j'espère que j'aurai le temps de finir mon tour. On va lui mettre deux apathies, on va reculer. Je sais pas si j'aurai le temps de faire mon tour. On lui a fait du retrait PM, c'est pas mal. Ah, j'ai pas eu le temps de reculer. Bon, tant pis, on lui a mis quand même moins 3 PM. Mais c'est vrai que c'est dommage de pas reculer, parce que normalement j'aurais dû finir mon tour ici, je crois. Hein. Même là,
ça aurait fait la différence. Contre ce petit Golden E, il a pas une grosse vita en vrai. Après, il a quoi? Ah, il recule de toute façon. Bon, ça va. Ouais, on n'a pas foré pour rien. De toute façon, il nous rush pas, donc c'est tranquille. C'est un Eka Flip quoi. C'est un Eka Flip Terre. Hein. Il a mis des recrits, mais on joue pas spécialement sur les deux crits. Donc on s'en fiche un petit peu. On a quand même 40% de crit. Mais c'est pas trop grave. On sent que le chaton guérisseur va être un peu casse-couille. Surtout qu'il recule. On va lui envoyer le masque grimaçant dans la bouche. Ouais, on va faire des bandades. Faut vraiment qu'on s'avance vers lui. Parce que c'est clairement ça le problème. C'est que souvent les classes en fait contre moi. Elles ont juste à rester loin et je les touche jamais parce que The Ball de loin c'est vraiment pas ouf du tout. C'est vraiment pas terrible. Allez, le petit masque pour génie, en plus il est bien au petit, hein. D'office Ivoire, d'office Ebène. Il a même mis un familier écrit parce qu'il pensait que j'allais être. Je pense qu'il joue en tatouf, non? Soit en tatouf, soit en Wabit. Bah non, non, il a le Wabit, ouais, c'est ça. 70 de puissance et 100 écrit. On le voit pas, mais il est caché derrière le bloc là. Et ça c'est pas mal en vrai. Mais c'est à dire qu'il tapera moins fort parce que c'est à dire qu'il a pas un. Il a pas un familier qui donne 120 stats ou quoi, tu vois. Alors, les dopous sur le masque, le petit lapement, moins PM, le coup de cac. Mais là, tu vois, on proc pas mal de PB, donc ça va vu qu'on n'est pas érodé. Le chaton qui a rien à soigner parce qu'on est, il est trop loin. J'ai que 6 PM. Rush, c'est combien de cas? C'est 7, je crois. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, on peut rush, apparemment. Bah, c'est parti, on rush. Hop. Et on peut faire martelot. Sinon je fais rétention d'eau, ça fait vraiment 3 PM, ça peut être pas mal. De toute façon ça sert juste à déloc l'ivoire. Hein. Ouais, peut-être ça. On peut tenter le retrait PM, ça peut faire le taf en vrai. Moins 2 PM, ça vaut le coup, franchement bénef. Le coup de caca moins 700, ça t'a pas très fort, il est peut-être en bouclier précieux les caflips. Ah mon masque qui troll, pourquoi il s'est mis là? On va se prendre masse d'opou, oh là là. Parce que ça aurait été bien joué de la part du masque, mais je le tacle pas en fait. Ah bah ça va, de toute façon il fait un craps, donc ça va. Ok, le petit craps. Il aurait super à 4 PM, et franchement le petit moins 2 de la rétention, c'était pas mal, hein. Parce qu'il va pas pouvoir partir bien loin, donc ça c'est pas dégueu, on va pouvoir le rechoper normalement au prochain tour, juste le chaton serait bien de le tomber. La petite audace des K-Flip, et une mésaventure, ouh la mésaventure fait très très mal. Le masque est quasi mort déjà, ça fait un peu chier mais bon, on fait avec. Hein. On prend l'ébène en plus de ça. Là les gars on va se débarrasser du chaton, on est obligé, je pense c'est trop chiant, vu qu'on peut pas éroder, on a juste l'état insoniable qui est pas mal mais ça suffit pas toujours quoi. Allez, coup de furia, coup de... ouais il est en bouclier précieux, hein. Je tape pas... normalement je taperais plus fort je pense s'il avait pas le bouclier précieux. Je vais me barrer par là. Allez il est taclé par le masque donc de toute façon il va s'en débarrasser. Non j'ai pas encore pris d'ébène en plus si. Ah si, putain il m'avait déjà mis un ébène donc là il peut déjà m'en remettre un. Alors qu'on est que au tour 4, voilà, il me remet l'ébène. Hop, le masque est pas encore mort, c'est pas mal. Par contre, s'il mérote pas, franchement les gars, tant qu'il mérote pas, on peut rester dans la game. Là, il tue le masque, il a 4 PA, 6 PM. Il faudrait vraiment que je chope au corps à corps prochain tour, quitte à ce que je fasse pas de plastron, je pense que c'est pas forcément trop grave. On va voir, on va voir. Il reste 4 PA, ça va être une mésaventure de placer. C'est vrai que ça le soigne, et le soin, c'est vraiment problématique pour nous. Voilà, on va pas se poser de questions, les gars. Franchement, on va pas se poser de questions. Furia, furia, cac. Comme à la bonne époque, on faisait ça. Mais vu qu'il a un bouclier précieux, il est plutôt pas mal. Hein. Genre, le coup de corps à corps, il passe pas très haut. Ah, il est quand même à 1500 points de vie. Hein. Alors, il peut nous faire très mal ce tour-là, par contre. Ce tour-là, il peut nous faire extrêmement mal. Mais c'est à voir. Parce que s'il nous fait mal, ok. Mais derrière, c'est-à-dire qu'il se protège pas. Donc, il faut vraiment qu'il fasse le bon compromis. Et il va falloir trouver. Et il tape à distance en plus. Ça, c'est tant mieux parce qu'il va nous filer des PB. Pourquoi il fait pas des audaces au corps à corps? Je comprends pas. Franchement, là, je comprends pas. Ce serait beaucoup plus intéressant pour lui de faire les audaces au corps à corps. Hein. Parce qu'il me filerait pas les 200 PB. Là, il va me faire les audaces à distance. Ou peut-être mes aventures, j'en sais rien. Il va faire mes aventures apparemment. Et du coup, il va me filer des PB quoi. Hop, bon, il s'est bien soigné du 700. Et le soin, c'est vraiment notre problème à nous. Hein. Et le contre-coup. Alors, quand il y a contre-coup, les gars, c'est inutile de taper. C'est vraiment inutile. Quand il y a contre-coup, on a une chose à faire. C'est tout simplement mettre le plastron. Hein. Franchement, gros, contre-coup, nous, on peut pas faire grand-chose sur ça. Donc, je vais le coller. D'ailleurs, le coller était peut-être pas une très bonne idée, mais bon. On va faire la rétention d'eau quand même. Hop, moins 2 PM comme tout à l'heure, ça peut faire le taf. Hein. Là, il a encore un ébène à mettre. L'ébène, il l'a souvent. Hein. Vu qu'il fait souvent des dommages mêlés, souvent des dommages corps à corps, distance, pardon. L'ébène revient très souvent. Je crois qu'il est déjà au troisième ébène alors qu'on est seulement au tour 6. Alors, petit entrechat. Il nous reste 11 PA à 4 PM. Il peut pas vraiment faire de mes aventures parce que j'ai les points de bouclier, donc ça serait pas très utile. Il fait une petite audace, il nous met l'ébène, il nous file aussi des PB en faisant ça, donc c'est vraiment pas mal. Le Krabs, on s'est bien joué ça de sa part, parce que du coup il va prendre beaucoup de distance. Et bon, après on a rush, donc ça, ça va en vrai. Hein. Ah, il passe avec 4 PA, non? Si j'ai bien vu. Il a peut-être un petit peu bégayé, le monsieur. En vrai, je veux même pas rush, hein. Le mieux là, c'est pas rush, c'est de faire une boliche.
Comme ça débloque l'ivoire tout en s'approchant de lui, c'est beaucoup plus intéressant à mon avis pour 3 PA. Hop, la petite boliche, et après on peut faire maîtrise cac. Allez, la maîtrise faut crit là. Allez, un bon crit à moins 1000, ça fait vraiment plaisir. Pas mal tout ça. Hein. Allez, il est en 12-6 cette fois-ci. On arrive à bien le tenir, et vu qu'il érode pas, c'est une très grave erreur. Hein. Après, je pense qu'il joue avec Fanfaronade et il joue pas avec Corollaire, en fait, il peut pas éroder. À mon avis, il a juste mal mis ses variantes. Hein. Parce que contre un Zobal, soit tu joues Corollaire, soit tu joues Réflexe. Hein. Vraiment, contre un Zobal, c'est vraiment... Après, en vrai, pas obligé, si t'as vraiment fort, mais c'est risqué quand même. Parce qu'un Zobal qui joue bien tank, il le tomberait jamais, quoi. Elle a un coup d'Arc Chaleuil encore une fois, l'odorat qu'elle a chez, c'est plutôt bien joué. Là, il va prendre un tour, où il va rester bien loin. Je pense que ça va être le moment de relâcher notre petit masque, du coup. Mais je vais pas reculer, même s'il y a Odora, parce que si je commence à reculer, après il va soigner tout, alors que là on arrive à mettre la pression sur lui, c'est plutôt pas mal quoi. On va faire une petite brincade derrière, retrait PO qui peut toujours servir sur les lapements, et le retrait PA qui passe ou pas? Moins 1 PA, c'est toujours ça de prix, ça fait toujours 230 dégâts également. Et on le tacle avec le masque, ok. Il est en 14-4. Avec le retour d'Odora, Golden E. Ça va être vraiment serré cette fin de match. Pour l'instant on a vraiment un bon avantage, hein. Donc faut voir s'il arrive à retourner la situation avec du soin. Mais je pense surtout là le problème du match c'est qu'il a pas mis les bonnes variantes. Pour moi c'est vraiment un problème de variante quoi. Genre il a pas comment ça s'appelle le sort qui est pas mal là, Mystigri qui est vraiment sympa contre un Zobal, parce que dites-vous le Zobal ne peut pas éroder. Donc si vous restez à vous soigner, le Zobal il galère à... Là je le tue quasiment hein. Le Zobal galère à vous tomber s'il peut pas éroder quoi. Là j'avais le plastron mais vu que je peux le taper je vais vraiment pas hésiter, on y va direct. Hop. Ce que je vais faire les gars c'est que je vais fougue, comme ça pas de soin. En plus je crois qu'il a le Dococo ce tour là, c'est vraiment le bon moment pour mettre la fougue. Hein. Ouais, en plus c'est le tour Dococo les gars. Hein. Après je sais... Ouais si c'est ça, ouais. Je regardais, j'hésitais à ce que c'était maintenant qu'il fallait fougue ou le tour d'avant, mais non c'est bon c'est maintenant. Hein. Là il sera insoignable, il pourra pas être soigné, évidemment. Et du coup bah il est pas bien, parce qu'il peut même pas mettre de chaton guérisseur. Ce qu'il peut faire c'est soit il a le contre-coup, soit il a bah, la chance des Caflip qui peut l'aider aussi. Donc là c'est contre-coup qui est lâché, donc c'est le tour où je vais mettre le plastron. Systématiquement, s'il met son contre-coup, je vais en plastron. Parce que vraiment, ça sert à rien de taper sur contre-coup. Enfin, vraiment, 1400 PB, c'est tout mon tour pour les faire et c'est dans le vide en fait. Puisque le tour d'après, il les perd automatiquement. La roue de la fortune, il nous reste 7 PA. Elle a enfin compris qu'il fallait faire les dommages mêlés là. Enfin, c'est pas trop tôt. Bah non, il a même pas compris. Qu'est-ce qu'il fout là? Ouais, il m'a éclaté par contre. Ouah, ça va être chaud la fin de combat. En plus, on prend les BN et tout là. Les gars, on va faire le même tour que tout à l'heure. Le plastron et la rétention. Allez, la rétention, le petit retrait PM qui peut passer en vrai. Hein. Parce que, oh, à moins 3 PM, c'est excellent ça. Parce que dites-vous qu'on a, on a des items qui donnent du retrait, les gars. Parce qu'on joue en cadre en haut, je crois que ça donne du retrait PM. Voilà, 6 de retrait. Le marteau torture donne du retrait PM. Et mine de rien, les gars, on a quelques items à droite à gauche qui font du retrait PM. Et c'est vrai que sur The Ball, mine de rien, ça peut être assez utile. On est à 45 retrait PM. Le mec, il a combien d'esquive PM? Il en a 39, donc on a plus que lui. Hein. Oh, il nous a mis un moins 3 PM sorti de nulle part, par contre. Là, c'était vraiment random, sauf s'il y a une roulette. C'est possible qu'il y avait une roulette retrait, mais j'ai pas vu. Non, bah non, et les roulettes, elles se lancent pas toutes seules, je crois. C'est plus comme à l'époque. Ah, le moins 3 PM, il nous ruine le match. Oh, attention, il fait chance des cas, bah, de seconde. Tant mieux, en vrai. Parce que ce tour-là, j'aurais même pas pu l'atteindre. Hein. Franchement, enfin, si j'aurais pu, je mettais une Kawot rush et tout, mais c'était pas ouf. Hein. Donc là, en vrai, j'ai envie de te dire, tant mieux, pourtant, t'en as que 200 PV, putain, il nous a éclaté, là. Là, je suis vraiment pas bien. Hein. Là, je suis vraiment pas bien, les gamers. On va essayer de lui mettre un petit peu de retrait encore. Ok, moins 1 PM, c'est pas mal. Ok, le retrait passe pas. Je vais quand même le suivre un peu. Je pense qu'on peut tanker quand même. Hein. Il a des boosts ou pas? Il est quand même boosté et tout. Wow. Bon, on va essayer de tanker. Ça va être chaud. Parce que là, il est en dégâts x2. De toute façon, c'est ce tour-là qui va tout choisir. Hein. Là, il est en dégâts x2. Il a pas le contrôle. Il a rien. Il a que le chaton guérisseur. Il a 11 PA. Franchement, il fait jamais 1800 dégâts avec 11 PA. Même si j'ai les BN, il les fait jamais. Il va retenter le lapement, à mon avis. Mais faudrait qu'on esquive un peu, on a quand même 55 d'esquive PM, franchement ce serait légitime d'esquiver quoi. Putain j'ai quand même pris moins 2, franchement j'ai pas de chance hein. Parce que ça m'étonnerait qu'il ait du retrait, hein. Vraiment ça m'étonnerait fortement. Et du coup pour se barrer, aïe 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 aïe. Bah il a bien joué le coup mais on a pas eu de bol sur le retrait PM, hein. Clairement pas. Est-ce qu'on peut pas choper une petite ligne de vue quand même? Mais ça suffira jamais à le tomber. Ouais si, ici il y a une ligne de vue mais... Vu qu'il nous a mis du retrait ça suffit pas parce que là normalement j'avais 2 PM de plus. J'aurais pu choper direct la ligne de vue. Parce que là c'est ici je crois, mais je sais même pas si j'ai un sort qui a assez de portée. Alors attends, c'est pas là, c'est ici. Là je peux lui mettre une attaque. Pff, oh ça va quasiment le tuer ça. Bah on va lui déloc l'ivoire. Ok, et je vais lui mettre une apathie.
Hop, et j'ai pas. Ouh, moins 3 PM, ça c'est cool. Moins 3 PO, moins 3 PM sur le petit TK. On a 1300 points de vie. Est-ce qu'il va peut-être tenter le kill? Ah, c'est ultra serré ce match, les gars. Il est vraiment cool le match contre Golden E. Ultra tendu jusqu'au bout du bout. Ah, il est. Heureusement qu'on l'a mis le moins 3 PM, hein. Ça va servir de fou, je pense. Là, il va juste rester loin. Il a peut-être le contre-coup pour encore tanker, mais nous, on a la grimace et le plastron. Donc, dans tous les cas, si je meurs pas ce tour-là, je peux faire un tour safe. Mais en vrai, il a tellement peu de points de vie qu'on pourra peut-être le tomber, hein. Alors, la flamiche, il va pouvoir nous remettre un ébène, faire attention à ça. Allez, le coup, là, je prends quand même cher parce que là, je crois que j'ai deux ébènes sur la gueule. Ouais, mais là, c'est bon, on n'est pas mort. Normalement, ça passe le kill. Oh, c'était serré, hein. Franchement, beau match. Beau match contre Golden E. Et en plus, il a pas mis les bonnes variantes pour moi. S'il avait de l'érosion ou quoi, ça aurait été. Bon, après, il peut pas se plaindre. Hein. Parce qu'il dit débile la cape, mais je suis quand même en train de jouer Zobal. Zobal, franchement, c'est une des pires classes en 1v1. C'est... Enfin, pour moi, c'est peut-être la pire, hein. C'est vraiment nul. C'est comme Eniripsa, c'est bien nul aussi en 1v1. Et franchement, ça fait plaisir de pouvoir gagner quand même des matchs grâce à cet item parce que la cape m'a clairement bien aidé. Et c'est cool. Franchement, c'est cool cette petite bravoure de Rickerel. En fait, ce que je trouve bien aussi, c'est que ça up les dommages mêlés. Et c'est vrai que les dommages mêlés, c'était pas assez fort dans Dofus. C'est ce genre de cap qui up les dommages mêlés. Je suis plutôt content, moi. Bah, je vous montre vite fait au push, mais il n'y a rien de bien intéressant. Vous avez vu le principal. En tout cas, ouais, vraiment cool ce combat. J'ai bien aimé là contre les Kaflip. C'était bien serré. Ça s'est joué un petit peu sur du placement, du retrait PM. C'est rare qu'on joue du retrait PM. Et des deux côtés, il y a eu des sorts de retrait PM utilisés. Hein. Il y a eu le lapement, il y a eu l'apathie, il y a eu les rétentions d'eau. Et ça, c'est pas mal. Allez, Fury Akak. Ouais, les dégâts sont sympas quand même. Hein. En plus, les mecs, comme je vous disais, ils ont pas souvent de res neutre. Donc, si vous arrivez à caler un tour mascarade, mascarade plus Kak, ça peut faire extrêmement mal. Hein. On arrive à faire des bons dégâts. Le plus dur. C'est pas de faire des bons dégâts, c'est d'arriver au corps à corps de l'ennemi. Et ça, il y a des classes, c'est très compliqué d'arriver jusqu'à leur corps à corps. C'était ça peu, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes. Bonne soirée tout le monde.